Yo tout le monde les gars, c'est Nizia, j'espère que vous allez bien, moi ça super les gars. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale concernant les défis de la semaine 7 de la saison 5. Bien évidemment du coup dans cette petite vidéo je vais vous dire tous les défis de la semaine 7 mais également comment les réaliser plus facilement et rapidement. Donc c'est parti pour la vidéo. Également c'est cette semaine qu'on pourra découvrir le skin secret, donc le skin Road Trip. J'espère en tout cas qu'il sera vraiment stylé parce que celui de la saison 4 m'a un peu déçu, c'était le skin Super Production. Moi c'est vrai que je l'ai pas trouvé ouf et j'espère que cette fois-ci ça vaudra le coup de faire tous les défis pour pouvoir débloquer le skin secret de la saison 5. Donc maintenant on va passer aux défis, les défis sortiront ce jeudi 23 août à 15h comme d'habitude. Donc il y aura 3 défis gratuits et 4 défis du pass de combat également pour un total de 50 étoiles de palier, c'est-à-dire 5 paliers supplémentaires pour votre compte Fortnite. Du coup les gars pour les défis gratuits, donc le premier défi ça sera visiter le centre de différents logis en une seule partie. Donc tout simplement il faudra visiter 4 centres de ville en une seule game, c'est à dire par exemple Tilted Tower, Pleasant Park, Retail Row et Salty Springs. Donc il faudra visiter comme je vous dis 4 centres d'une ville en une seule partie pour un total d'un demi palier. Pour le deuxième défi, il faudra trouver des largages de ravitaillement, donc c'est-à-dire soit les largages qui tombent du ciel, mais également il me semble que les lamas comptent, donc il faudra en trouver 3 pour terminer ce défi pour un total d'un demi palier. Et pour le dernier défi des défis gratuits, il faudra faire des éliminations à la mitraillette, donc c'est-à-dire soit la P90 ou alors la petite SMG ou tout simplement la Thompson. Et il faudra faire 3 kills pour réaliser ce défi pour un total d'un palier en entier. Maintenant on va passer au défi du pass de combat, donc là vous allez voir franchement c'est vraiment étrange mais c'est un peu similaire au défi qu'on a eu les semaines précédentes, donc je pense que Epic Games va corriger ça et changer les défis tout simplement. Donc pour le premier défi ça sera infliger des dégâts dans la tête aux adversaires, donc 50 dégâts pour un total d'un demi palier. Donc également on a eu ce même défi il y a une ou deux semaines il me semble, donc je pense que les défis seront tout simplement changés. Pour le deuxième défi, il faudra chercher des coffres à Lucky Landing, donc comme d'habitude, 7 coffres, donc il y a une ville qui est désignée pour les kills et une ville qui est désignée pour les coffres. Donc là du coup c'est Lucky Landing, il faudra fouiller 7 coffres pour un demi-palier. Pour l'avant-dernier défi, il faudra suivre la carte au trésor trouvée à Pigeon Park, donc ça également les gars je vous ferai la vidéo pour savoir comment trouver l'emplacement exact de l'étoile de la semaine 7, donc pour un total d'un palier en entier. Et pour le dernier défi, il faudra faire des éliminations à Lazy Link, donc il faudra faire 3 kills pour réaliser ce défi pour un total d'un palier supplémentaire. Et voilà les gars, c'est déjà tout pour les défis de la semaine 7, donc n'hésitez pas vous à dire ce que vous pensez en commentaire. Moi en tout cas ça me saoule un peu parce que c'est à peu près tout le temps les mêmes défis toutes les semaines, donc moi ça me saoule un petit peu, j'aimerais bien qu'ils renouvellent un peu les défis. Et également n'hésitez pas à me dire en commentaire quel défi vous trouvez dur ou encore celui que vous trouvez facile. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à savoir les défis de la semaine 7 à l'avance. N'hésitez pas du coup à commenter, liker, à partager, on est bientôt à 3000 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir qu'on les atteigne super rapidement. N'hésitez pas du coup à vous abonner si c'est pas déjà fait, c'était Nizia, retour 3K, allez salut tout le monde. All you people in the house, get up and scream and shout, say hey, hey, hey.